Merci, bonne journée. Pierre, je m'attendais pas à ce que t'arrives aussitôt. Ouais, désolé, j'aurais dû appeler. C'est ton père qui m'a dit que je pouvais m'installer là. C'est... c'est parce que... comme ça, je suis toujours sur place, c'est plus pratique. Si tu veux, je peux te laisser la chambre. Ah non, t'inquiète, y a aucun problème. Aucun problème. Ça fait bizarre de te voir ici. Toi aussi. La chambre d'amis est toujours libre? Oui, il faut juste refaire le lit. Mais je m'en occupe si tu veux. Non, c'est bon, t'inquiète. Ça fait plaisir de te revoir. Toi non plus, t'as pas changé. Tu parais juste un peu plus vivant. Pourquoi t'es encore là du coup? C'est pas comme s'il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a l'océan. Les Landes. C'est chez moi ici, je sais pas, je m'y plais, j'y peux rien. Puis j'ai mon travail avec ton père. Ma mère, elle s'est occupée de votre maison toute sa vie, alors bon, c'est plus facile pour moi de prendre la relève. J'aime bien m'occuper de lui. T'es allé le voir? Ouais, tout à l'heure, en arrivant. Dormez. Il est pratiquement jamais réveillé depuis l'accident. Tu sais, avant, on rigolait tout le temps.
ça me manque. T'es sûr qu'on parle de la même personne là? Moi, je l'ai jamais vu heureux. T'es dur là quand même. Avant, on venait souvent se promener ici. On parlait un peu de tout. De toi. Tu sais, je sais qu'il était pas parfait, mais enfin. Ça fait quand même longtemps que tu l'as pas vu. Je préférais pardonner que d'être rancunière. Vous pourriez discuter. T'as bien des choses à lui dire, non? Écoute, Luna, je sais pas si j'ai envie de parler de ça avec toi. Je vais rester là un moment. Je devrais rentrer. J'ai essayé de lui en parler, mais j'ai pas réussi. C'est fini. Merci, Maluna.